Bonjour à tous, coucou les amis, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je te propose de t'installer confortablement. On va accueillir ensemble les messages qu'on souhaite nous transmettre, les messages certainement qu'on souhaite te transmettre aussi. Il n'y aura pas besoin de faire un tirage à choix. J'ai proposé, enfin j'ai présenté ici deux jeux que je vais utiliser. Donc je vais faire le tirage là avec toi, voilà, comme si on était ensemble. Et puis, eh ben, on va se laisser porter, voilà, tout simplement. On va accueillir les messages, ok? Donc voilà, mets-toi à l'aise, surtout détendu. Et puis on se met en état d'accueil, je vais m'y mettre aussi. Alors les messages, s'il vous plaît, nous accueillons les messages. J'espère que tu vas bien. Alors on va en prendre trois. Alors, on va les disposer ici. 1, 2, 3. Je vais mettre ça là. On a Déméter ici, sentiments et émotions. En bas de la vidéo, hein, d'ailleurs, tu trouveras comme d'habitude tous les différents jeux que j'utilise et tu trouveras aussi le moyen de me contacter en privé, notamment si tu as besoin. Voilà. Ah, et puis au passage, je t'invite, je vais mettre le lien en haut à droite, à t'abonner à ma newsletter si tu souhaites recevoir des guidances, bah, un peu comme là, comme aujourd'hui. On accueille des messages, des guidances qui arriveront en synchronicité pour toi directement sur ta boîte mail. Inscris-toi, je mets bien le lien en haut à droite. Et on va. Ouais, j'ai envie de le faire tout de suite comme ça, on sera bon. On va compléter aussi, toujours dans l'accueil, les messages. Et ici, on a l'union. Waouh. Ok, on va commencer avec ça d'ailleurs. Attends, je me mets debout de manière à ce que tout soit cadré, mais aussi. Voilà, parfait. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que ici, ça vient nous parler du sujet en question. On a donc les sentiments, les émotions. On retrouve ce personnage-là avec sa lampe torche, mais elle le. Là, c'est intéressant, dans le positionnement, j'ai l'impression qu'elle le met de côté, elle le pousse, ce feu-là. Le feu, justement, qui est un peu le feu de la passion, le feu de l'amour, le feu de la vie. Et avec le serpent ici, peut-être il y a en fait des croyances en soi, avec ses émotions. Peut-être que on a peur de certaines émotions, peut-être que le feu aussi peut parler de colère, de frustration, et que, en tout cas, voilà. Ah, et puis je suis en train de voir, regarde derrière, on a encore le feu ici. Tu vois? On passe de ça à ça. Là, elle est en. Voilà, pour moi, elle repousse le feu. Et ici, elle l'accueille pleinement. Elle entre en communication avec. Ah ouais, c'est intéressant. Tout change dans l'image, là. Dans le positionnement, même dans ses vêtements ici, avec ce truc violet. Ah, mais c'est trop fou, regarde. Tu vois là? C'est la même chose que sur ce bras, c'est presque la même tenue, mais la tenue, elle a changé, tu vois, le costume change, enfin, c'est symbolique tout ça, hein. Je vais te dire tout ce qui vient, mais essaye de voir aussi, toi, comment ça résonne. Sentiment, émotion, dans son foyer intérieur, rentrer en connexion avec soi, avec ses émotions, et venir nourrir ce feu intérieur. Ne pas avoir peur de ce feu intérieur, donc de nos émotions et de notre psyché, mais venir le nourrir en conscience. Tu vois, c'est ça, on est dans reconnexion. On a l'union ici. Là, ça me parle de l'union, mais à un sens sacré. Hein? Oui, parce qu'on a l'élévation au-dessous. On a l'élévation. Dans l'élévation spirituelle. Hein? Mais de toute façon, tout ça aussi, si on crée un lien comme ça, comme cette belle image, on crée ce lien avec soi-même. Ça va agir sur les autres domaines de notre vie. Ça va agir dans nos relations aux autres. Pour se retrouver cœur à cœur, pour se retrouver, regarde, en osmose, arriver dans la complémentarité avec les autres aussi, que ce soit sur le plan sentimental, par exemple, ou amical. Puis on a la couleur verte, un hein, besoin de guérison ici, besoin de guérison du cœur et dans les émotions.
Donc là, on nous invite ouais, à nous contact, à rentrer en contact avec notre être émotionnel. On va découvrir, qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh! Changement de forme! Changement de forme avec le costume là dont je t'ai parlé. Changement de forme. Oh. Changement de forme. Tu vois, on se réconcilie avec sa nature profonde. Là, le symbole de loup, symbole de l'instinct, symbole de nos peurs aussi. Et ici, le cheval, symbole, en tout cas moi, qui va être associé à notre âme, à notre indépendance, à notre liberté d'être. Waouh! La villa, tu vois, la villa, et ici on avait le foyer, Estia, le foyer. Ton monde intérieur, ça peut devenir, tu peux le créer, une véritable villa, tu vois. Villa, il y a le côté, waouh, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est tout ça. Et là, regarde, elle est pas dans... Elle est dans une grotte, là. Changement de forme. Les doutes. Tu vois, à tous les moments de doute, toutes les hésitations, on retrouve le cheval qu'on avait ici. On a ton âme. Tous tes guides ici, ils sont là. Elle te guide directement. Regarde, là, le personnage, il y a une extension de son visage. C'est le cheval. On a l'oiseau ici qui vient transmettre les messages. Elle a une direction claire pourtant. Cette direction-là, cette direction de s'épanouir pleinement, de vivre pleinement ses émotions. Je pense qu'on a beaucoup l'élément du feu hein, qui est ressorti là, là, là. Qu'est-ce que ça signifie pour toi l'élément feu en fait? Parce que vous êtes beaucoup, chacun sera différent. Je t'ai parlé peut-être... Alors de manière générale, c'est des émotions ici. Il faut comprendre que c'est des émotions. Mais quelle émotion? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Les sentiments et les émotions. Déméter, tu vois, j'entends déméter, démettre de côté. Voilà, j'entends mettre de côté. Et c'est pas ce qu'il faut justement. Parce qu'on en a peur, il y a le serpent, ça... Voilà, on a peur. Moi, j'ai un peu peur des serpents, je t'avoue. Enfin, avant, j'avais peur. Maintenant, j'aurais peut-être plus peur, mais bon, on ne sait pas. Ok. Le doute. Le doute, c'est le serpent aussi, justement. Quand tu es dans le doute, reconnecte-toi à ton âme. Ton âme, elle est tout le temps avec toi, en fait. Elle n'est jamais séparée de toi. Et puis là, ce personnage, c'est comme si c'était elle. Et en fait, elle dit au loup, qui est souvent repris dans les contes, d'ailleurs, un peu... Enfin bon, voilà, il fallait une image symbolique. Et le loup, on l'associe aux peurs. Donc voilà, tout est juste. Mais moi, j'adore le loup. Hein, j'adore le loup. Tu connais mon logo, quand même. Et tiens, tu vois, pour te montrer que je l'adore, je l'ai ici, pas loin. Bon, voilà. J'adore. Bref, tu vois, là, c'est comme si elle parlait à ses peurs. Et qui, tu vois, qui sont dans la forêt, normalement, ici, cachés dans la forêt. C'est à l'abri, peut-être, aussi, dans la forêt. Mais là, sors de ta zone de confort, viens avec moi. C'est comme si elle invitait ce loup à danser avec elle, à s'autoriser à être, s'autoriser à vivre. Changement de forme. Changement de forme. On passe de ça à ça. Changement de forme, il est là. Les doutes, ouais, on a vu ça, le serpent, je sais pas c'est quoi qu'elle tient dans ses mains là, une grenade, ou de la grenadine, bref, je vais pas utiliser tous les symboles, hein, mais ok, changement de forme, son costume change, je prends le temps, hein, tu vois, de découvrir en tant que toi, son costume, là, il passe du violet au blanc, il reste toujours un peu de violet, mais en fait, t'es en phase, t'es en train de mettre de la lumière de la conscience sur tout ce que je te dis. Ouais, t'es déjà là-dedans. Parce que ici, le violet, pour moi, c'est comme si c'était l'apprentissage. L'apprenti spirituel, violet. Et là, elle est en blanc. Il reste encore un peu de violet pour montrer qu'il y a toujours du chemin à faire. Tu vois, il y a toujours un peu de chemin. Tout le temps, on apprend. Tout le temps, on évolue. Hein.
Mais là, c'est comme si c'était l'énergie de la papesse pour moi, la papesse qui est beaucoup plus connectée, beaucoup plus consciente, avec son intuition aussi, avec ses ressentis profonds. Donc tu vas arriver à... Le blanc va être synonyme de... Là, dans le tirage, en tout cas, de perfection, de pureté. On a du blanc en plus ici, avec les cartes d'après, je suis intéressé. Ouais, il y a une évolution là. Mais là, c'est la clé. C'est l'union. Ah, on a les petites Erinyes, les Erinyes. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, je sais pas pourquoi, mais on a Rhiannon, donc on a le nom, et on a le yes ici. On a le nom et on a le yes. C'est un positionnement encore. Plutôt que de dire non à la vie, on dit oui pleinement à la vie. Les Erinyes, le doute, ça va ensemble. Tu vois, c'est peut-être encore le symbole du serpent, c'est la petite voix intérieure qui nous susurre des choses négatives ou qui nous amène de la peur, justement. Regarde un peu celle-ci. Je crois que c'est l'image qui est la plus effrayante dans ce jeu. Tu vois, mais là aussi, il y a un changement de forme. Là à là. Ça aussi, c'est ce qui est en train de se transmuter. Tu es en train de transmuter tes peurs, tes doutes, tes... ouais, tout, tout, tout en fait. Puis là, elles sont 3, 1, 2, 3. Là, ils sont 3, 1, 2, 3. Et là, 3 aussi. Il y a 3 chevaux en tout cas. Tu vois, il y a elle, voilà, enfin, 3, et puis il y a l'oiseau. 3. On m'amène sur le chiffre 3. Pourquoi 3? Bah, je le partage, et c'est que pour certaines personnes, peut-être, vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est que j'entends qu'il y a... Dans la lecture de ce tirage, bon, moi, je te transmets ce qui me vient, mais j'entends aussi, et je comprends d'autres choses. Voilà, je partage, hein, et puis après, le reste, ça ne m'appartient pas. Tu vois, le 3, le 3. En fait, là, on a 1 plus 1. Mais 1 plus 1 n'est pas égal à 2. C'est égal à 3. Je peux pas trop te décrire ça. Chacun, voilà, essaiera de comprendre ce qu'il veut par rapport à ça. 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Le 2, c'est toujours un chiffre mystère. Ou comment l'apparition du 2, même si tu prends un mathématicien, le 2, c'est quelqu'un que je connais, hein, qui est justement mathématicien, et qui m'avait toujours dit que le 2, dans les mathématiques, c'est un peu un mystère. D'ailleurs, le chiffre 2... De la papesse dont je t'ai parlé dans le tarot, la papesse dans le tarot, le chiffre 2, c'est. Elle détient les mystères en fait. Elle détient la conscience. Elle détient. Tu vois, peut-être que le mystère, il est là, là, dans ses mains, le feu, encore une fois. Bon, voilà. 1 plus 1 égale 3. Peut-être que c'est justement c'est pour amener des compréhensions spirituelles, cette phrase. Et dans l'image aussi, ici, il y a quelque chose à comprendre. Mais là, je ne vais pas le détailler. C'est à toi de faire ce chemin si tu veux. Parce que c'est le chemin qui nous appartient tous, de l'amour aussi, justement. Bon, alors. On a aussi l'accident. On a les entreprises. Et on a l'eau. Alors, on voit bien que actuellement, il y a un grand changement qui est en train de se produire, en fait. C'est actuel, c'est maintenant. Et c'est pas par accident. C'est-à-dire que c'est bien guidé, c'est bien orienté, c'est ce que je te disais. Là, on est en train de faire s'effondrer en toi d'anciennes formes, d'anciennes croyances, d'anciens schémas. La tour ici, elle représente ce qui s'est construit jusqu'à maintenant. Mais t'as vu, elle est vieille, elle est obsolète, elle est vétuste. C'est peut-être aussi des choses qui ont été, tu sais, ça vient du transgénérationnel, etc., 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 etc. C'est la construction de ce que l'on est aujourd'hui, la construction de notre ego aussi, de l'ego, la personne que l'on est. Mais là, pff, la foudre, elle est en train de faire s'écrouler tout ça pour amener un véritable changement, pour aller vers, comme je te l'ai dit, moins de peur, moins de choses limitantes. Plus de joie, d'indépendance, de liberté. Donc c'est puissant. C'est pour ça que,
On a l'eau. L'eau, c'est les émotions, sentiments, émotions. C'est pour ça que ça peut beaucoup bouger au niveau émotionnel, tu vois, on est sur un bateau. Mais dans cette période de crise, dans cette période de bouleversement, ne te laisse pas happer par les doutes et par la peur. Laisse-toi guider ici, par la lumière, tu vois, en étant bien ancré. Là, le bateau, il est sur l'eau. Mais là, il y a un arbre au centre, avec des ailes, tu vois, on est ancré. Avec la lumière, avec notre âme, avec notre conscience supérieure, avec les anges, avec la majuscule conscience supérieure, la conscience tout court. Ça se connecte dans l'eau, dans nos émotions, dans nos sentiments. Mais être ancré, tu vois, c'est être ancré en soi. C'est être ancré en soi. Tu vois, là aussi, tout est magnifique dans ces illustrations. C'est-à-dire dans le tumulte, malgré le tumulte émotionnel, les hauts, les bas, etc. On a la solution ici. C'est cet alignement et cet ancrage. Mais il est ancré à quoi? Tu vois, il est sur l'eau, là. Il n'est pas dans la terre. Il est ancré à où alors? Mystère. C'est à toi de... Non, mais t'as compris, je pense. Hein? Des doutes. Il y a des doutes par rapport aux entreprises parce que tu as des projets, tu as des choses que tu veux mettre en place, tu veux façonner. Tu vois, ça me fait penser à un architecte. On te dit ici, tu es l'architecte de ta vie. Mais peut-être que tu ne sais pas quel outil utiliser. Ou alors peut-être que tu n'as pas assez confiance en tes capacités et en tes compétences. Mais ces doutes-là, pour tes projets, et la réalisation de tes projets, est-ce qu'ils vont vraiment, est-ce que ça va voir le jour un jour, est-ce que tu vas y arriver, tout ça, c'est en dessous du doute. Et les doutes, ils ne viennent pas de ton âme. Ils viennent de l'ego, justement, qui est en train de s'effondrer d'une certaine manière. Le temps, est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres choses à dire? Non, j'ai l'impression d'avoir tout ici, là, vraiment. Ce qu'on peut voir aussi, hein, c'est que tu vois, là, il y a une déconstruction. Là, il y a une déconstruction. Et là, maintenant, les entreprises, avec tout, c'est le symbole d'une nouvelle construction pour toi. Donc, tu ne vas pas être dans le vide et tu ne vas pas être laissé avec rien. Tu vas pouvoir construire toi-même ta nouvelle vie. Ou ton nouvel être aussi. Comment faire? Eh bien, en te laissant guider par les sentiments, les émotions. En te laissant guider par ton âme. En étant toujours ancré en connexion avec ton cœur, avec tes émotions. Voilà, c'est un voyage qui t'attend. C'est un voyage qui est... Oui, en effet, comment dire? C'est un voyage. C'est un voyage, tu ne sais pas trop quelle est la destination, où ça va donner, mais c'est guidé par la lumière, c'est ce qu'il faut retenir. Et tant que tu es bien ancré à la lumière, bien, il peut rien t'arriver, en fait. Tu es protégé et... ne t'inquiète pas, en fait. Même la lumière, ici, tu vois, là, qu'est-ce qui... Le bateau, comment il navigue? Il navigue un peu à vue, c'est-à-dire plutôt à perte de vue, il ne sait pas où il va. Mais c'est quoi qui fait que le bateau il va avancer? Attends, je suis en train de voir, je suis en train de comprendre. Déjà, c'est les éléments extérieurs, tu vois, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a de la pluie, est-ce qu'il y a des tempêtes, etc. Mais là, en fait, normalement, il y a une voile. Et là, ce n'est pas une voile, c'est des ailes. Ce qui va te permettre de te diriger, tu vois, les ailes, les voiles d'un bateau, bah c'est comme ses ailes, c'est ce qui lui dirige à gauche, à droite. Non, non. Eh bien, toi, ce qui va te diriger, ce sont tes ailes. Ou la connexion, si tu veux, avec les guides ou tout ça. Mais c'est ton propre, tu es ton propre guide. Et tes guides, ils passent. Justement, tes guides aussi, ils passent à travers toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu aies peur de tes émotions et tout ça. Parce que les guides, moi, je le vis tout le temps. Et c'est comme ça que ça marche, il faut que tu le saches. Hein. Il passe à travers nous, notre canal, tous, hein, t'as pas besoin d'être médium ou je ne sais quoi, on est tous médium. Voilà. Médium, c'est capacité à recevoir des messages, pour moi, ma définition à moi.
recevoir des messages du monde de l'invisible. Médium, c'est être un pont, un point de, voilà, le médiateur. Médiateur. Donc, je m'écarte un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Oui, tes guides, ils passent à travers toi. Les anges, si tu veux, ils passent à travers toi. Dans ton corps, en plus, tu vois, il est dans, voilà, dans ton corps aussi, pour te transmettre des messages. Voilà, écoute, j'ai adoré ces messages, j'ai adoré ce type de partage aussi. Fais-moi un petit retour, n'hésite pas dans les commentaires, me partager tes ressentis. Voilà, ça sera super apprécié. Je t'embrasse fort, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, justement en vidéo ou autre, peut-être entre toi et moi, qui sait. Allez, à bientôt, salut, salut.